terre est dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la... Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes présents aujourd'hui pour un petit temps, un petit moment de méditation dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Croyant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé. Agora, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Agora, amen. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours, disons, à la période pascale, mais la période où nous essayons de mettre en valeur la mort et la résurrection de Jésus. Alors, Jésus-Christ, il n'est pas mort à chaque année, comme prétend certaines personnes ou certains groupes religieux, mais il était mort. Mais aujourd'hui, on parle de Jésus comme étant un être vivant. Il est vivant. Mais en fait, c'est en guise de mémoire. C'est pour garder le focus sur la mort et la résurrection du Christ. C'est pourquoi nous mettons et nous parlons à chaque année de cet événement. Comme dit l'apôtre Paul, cet événement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le point central du christianisme. Aujourd'hui, si nous sommes capables de parler de la vraie foi, si nous sommes capables de parler de Jésus comme étant le Sauveur, le chemin, la vérité et la vie, c'est parce que tout simplement, il était mort, mais il n'est plus au tombeau. Il est aujourd'hui vivant. Il est vivant et il intercède en faveur des saints. Et les amis du réseau, je vous salue. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous partageons aujourd'hui et nous lisons Jean chapitre 11, le verset 25. Alors, Jean chapitre 11, le verset 25, il dit « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et dans le verset 26, il dit aussi que « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et nous sommes pratiquement dans une scène, ou bien une scène qui... juste raconté par l'apôtre Jean, c'est lui qui raconte la résurrection de Lazare. Mais puisque nous sommes toujours à la période de Pâques, nous parlons de la résurrection de Jésus, mais Jésus lui-même, il faisait des scènes de résurrection, il donnait des démonstrations, la résurrection de Lazare, c'est une preuve que Dieu lui-même, il est capable. Il est capable de faire sortir du tombeau
celui qui était mort ou celui qui est mort. Et mes frères et sœurs, nous sommes à Béthanie et là, Jésus lui-même a été invité, disons, par les sœurs de Lazare. Il a été pris compte, il a été mis au courant de la situation de son ami, disons, par le biais de ses sœurs, et ses sœurs qui envoyaient pratiquement des émissaires pour aller dire à Jésus que son ami Lazare était malade, et pas juste malade, était pratiquement tout proche de la mort. En fait, Jésus lui-même restait un peu plus de temps, et là où il était, et Jésus arrivait pratiquement 4 jours après. Il arrivait sur les lieux 4 jours après. Et c'est là que Jésus allait confronter, il allait confronter et Marthe dans ses réflexions, dans ses pensées à propos de Dieu. N'oublie pas que parfois, les gens sont à l'église, ils sont membres d'une communauté chrétienne, mais ils n'ont pas toujours une bonne connaissance de Dieu. Ils n'ont pas toujours une bonne connaissance, une connaissance exacte de ce qu'il fait et de son agir. Alors, Marthe, c'est une croyante, mais avec, disons, une idéologie, une pensée tout à fait réduite de la puissance de Dieu, de ce que Dieu est. Marthe, arrivée sur les lieux, Marthe disait, Seigneur, si tu eusses été présent, mon frère, il ne serait pas mort, il serait pas mort. Alors, et Marthe comprenait Jésus comme un Dieu circonscrit, un Dieu géographique, un Dieu limité au temps. Ça veut dire que c'est un Dieu qui n'est pas en tout lieu. En fait, c'était ça la compréhension de Marthe. Seigneur, tu devrais être présent pour épargner mon frère de la mort. Et le fait que toi, t'as pas été présent, et c'est pourquoi aujourd'hui, il est mort. Alors, Jésus lui-même disait à Marthe, écoutez, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et mes frères et sœurs, Jésus, c'est la résurrection et c'est la vie. C'est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la vie. Marthe pensait que son frère, il pourrait revoir son frère au dernier jour. Mais disons, lors de la résurrection générale des morts. Mais Jésus anticipe pour dire, écoutez, mais Marthe, c'est moi la résurrection et la vie. Ça veut dire, pas la peine de se projeter dans le futur, pas la peine de penser à la fin des temps, parce que moi je suis Dieu. Ce que moi je suis capable, je serai capable de faire dans 10 ans, eh bien, je suis capable de le faire aujourd'hui même. C'est possible. Mes frères et sœurs, Dieu, il agit dans le futur, mais le plus important pour Dieu, ce n'est pas le futur. Le plus important pour Dieu, c'est le présent. C'est un Dieu qui agit dans le présent. Un Dieu qui agit dans le présent, cela veut dire quoi? Cela veut dire si nous vivons des situations difficiles, mais pas la peine de dire à Dieu, c'est dans 10, c'est demain, c'est dans 3 ans, je veux Seigneur que tu me donnes telle chose dans 3 ans, dans 4 ans. Alors, Dieu peut le faire aujourd'hui même. Il peut le faire aujourd'hui même parce que c'est un Dieu qui agit dans le présent. Il est muni d'une puissance extraordinaire et sa puissance n'est pas circonscrite. Et mes bien-aimés, Marthe avait cette conception erronée de Dieu. Un Dieu limité, un Dieu réduit, un Dieu géographique. Alors que Dieu lui-même,
Il est partout. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Ouais, moi j'ai resté. J'ai passé plus de temps. Si je suis resté là-bas, c'est parce que tout simplement, je veux que ma gloire soit manifestée dans cette maladie. Je veux que ma puissance soit reconnue. C'est très important parce que nous autres croyants, quand les gens souffrent, quand ils font l'expérience d'un problème, nous avons tendance à placer des mots. Nous avons toujours une explication. C'est parce que lui, il a péché. C'est parce que lui, on revient à la théologie des amis de Job. C'est parce qu'il a péché. Mais Jésus dit, dans le cas de Lazare, c'est pour la manifestation de ma gloire. C'est afin que vous croyiez. Il y a des difficultés qui vont pas rester définitivement. Ils sont là pour un temps. Et quand le temps de la détresse, disons son terme arrive bientôt, la fin, ça arrive bientôt. C'est pour bientôt. Parce que c'est pas pour l'éternité. Maître, si tu eusses été présent, mon frère, il serait pas mort. Et alors, Matt oublie que le Seigneur, c'est un Dieu qui guérit même à distance. Il agit même à distance. C'est le centenier qui avait une meilleure vision de Dieu, une meilleure compréhension de Dieu. En fait, le centenier romain, là, il sollicitait auprès du Seigneur la guérison pour son serviteur malade. Et il dit à Jésus, mais pas la peine de penser, pas la peine eh bien, de penser à d'aller chez moi parce que tout simplement, moi, je suis un pécheur. Dis seulement un mot et mon serviteur, il sera guéri. Le centenier, il avait une vision de l'Église au dernier temps, une vision de l'Église dans la modernité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, grâce à l'Internet. Eh bien, nous croyons que Dieu, il est capable de guérir, d'agir, d'intervenir, même à distance. Ça veut dire, si vous m'écoutez là où vous m'écoutez en ce moment, Dieu est capable de vous délivrer. Il est là. Il est en tout temps. Il est en tout lieu, en même temps. Il est en Afrique, il est dans la Caraïbe, il est en Europe. Il est partout. Dieu, il n'est pas contraint, il n'est pas assujetti au temps. Dieu agit dans un éternel, dans l'éternité. Il prend son temps. Il fait passer du temps parce qu'il est maître de tout. Parce qu'il est maître du temps, parce que le temps pour lui n'est pas une donnée pressurante. Il est maître. Alléluia. Seigneur, merci Père. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, même quand il serait mort. Tu es le Dieu de la vie. Et aujourd'hui même, Seigneur, nous communiquons la vie, Seigneur, à nos bien-aimés. Tu es le Dieu de la vie. 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 Alléluia. Seigneur, parfois, le diable a semé la mort. Mais nous revendiquons ce matin, Seigneur, en ton nom, la vie, par le sacrifice de la croix. Nous revendiquons la vie, Père. Nous revendiquons la santé. Nous revendiquons, Seigneur, toutes les bonnes choses. Parce que, Seigneur, c'est à cause, c'est en raison même, Seigneur. C'est parce que tu avais un bon projet pour nous, Seigneur. C'est parce que tu voulais nous rendre libres. C'est parce que, Seigneur, tu voulais, Seigneur, nous donner la vie
Et c'est pourquoi, Seigneur, tu as accepté le châtiment du Golgotha. Et ce matin, nous sommes devant toi. En ce moment, nous sommes devant toi. En te demandant, Seigneur, plus de grâce, plus de foi, Seigneur, et une nouvelle compréhension de toi. Alléluia. Tu es le Dieu qui fait tout. Le Dieu muni de puissance, le Dieu muni d'autorité. Et si nous faisons face à l'adversité aujourd'hui, nous croyons que tu es capable, Seigneur, de nous faire sortir du boubier. Alléluia. Nous proclamons ton nom, Seigneur, oui, sur ton Église. Nous proclamons ton nom, Seigneur, dans la vie de chaque croyant qui nous écoute en ce moment. Et nous prions, Seigneur, pour les gens qui sont malades. Alléluia. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient rétablis par toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Nous prions, Seigneur, pour notre sœur Mama, Seigneur, en Floride. Oui, Seigneur, cette jeune fille est malade. Elle a besoin, Seigneur, d'une intervention de ta part. Et nous prions, Seigneur, pour son rétablissement, Père. Elle a déjà été, Seigneur, chez le médecin en plusieurs occasions. Mais, Seigneur, jusqu'à maintenant, elle attend, elle attend, elle est dans l'attente, Seigneur. Et nous croyons que toi, tu agis. Tu es un Dieu de puissance, tu es un Dieu de pouvoir, tu es un Dieu d'autorité. Et nous prions, Seigneur, pour le rétablissement des mamans. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour le rétablissement, Seigneur Dieu, et oui, du couple Beaubrun, Seigneur. Alléluia. Et tu vois ton serviteur, tu vois son cœur. Oui, Seigneur, son cœur de service. Mais, Seigneur, il fait face, Seigneur Dieu, à des soucis de santé. Mais au nom de Jésus, toi qui guéris, toi qui rétablis, Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, pour ce couple. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour tous les autres frères, les autres sœurs qui sont mal pris en ce moment. Ô Père des cieux, descends et délivre-les, ô Éternel. Sois avec nous, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur.